Maison Maxi Liberté. Ce sont de toutes petites maisons, souvent en bois, parfois mobiles, les tiny houses, littéralement les maisons minuscules, nées outre-Atlantique, inventent un nouvel art d'habiter. Découverte d'un mouvement aussi social qu'écologique et architectural. Une maison qui déménage. C'est dans cette logique de logement social que l'association d'insertion par le logement, habitat et humanisme Île-de-France et le cabinet Univers et Conseil ont imaginé la maison qui déménage. Cette maison en bois de 40 mètres carrés se monte et se démonte en moins d'une semaine. Tous les éléments sont éco-conçus, modulables, évolutifs, démontable et nomade, sans empreinte sur le terrain et l'environnement. Petit nid de vie. Depuis 3 ans, le mouvement trouve un véritable écho médiatique, tandis les initiatives se multiplient pour rendre la pratique accessible. Des sociétés comme la Tiny House, Histoire de cabane, Ti Rodou ou Baluchon renforcent le camp des constructeurs. Certaines développent en parallèle des cycles de conférences ou de formations. On y aborde la législation, les différents types de matériaux à utiliser, la menuiserie, explique Vincent Bouhour, cofondateur de Baluchon. Des groupes Facebook et des forums font leur apparition sur le net pour faire tourner conseils et témoignages. Dans ces cavernes d'Ali Baba numérique, on se donne des plans de micro-douche, des astuces de rangement, des infos sur la réglementation. Grâce à ces dispositifs, les familles de plus en plus à géométrie variable pourront adapter facilement leur logement à leurs besoins d'espace. Pourquoi pas une tiny dans le jardin pour l'enfant étudiant ou le parent devenu dépendant? Ces mini-maisons mobiles peuvent également être une réponse aux problématiques d'étalement urbain qui détruit les terres agricoles et mite nos campagnes. Facile à loger entre deux maisons, à implanter sur les grands terrains d'habitation existants, elles peuvent ainsi densifier et redonner vie au cœur de village. Cette agilité répond bien aux problématiques de logement temporaire. On peut tout imaginer avec ce petit habitat mobile, comme un village de maisonnettes qui peut se créer en quelques jours. Les logements traditionnels émettent plus de 20% des gaz à effet de serre responsables du changement climatique, quand les tiny sont les championnes, toutes catégories, des économies d'énergie.